Bonjour, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom de Léolist. Donc j'organise cet événement à la Gaming House Millennium, parce que je suis le manager de l'équipe, et en même temps celui qui organise la plupart des compétitions Millennium, principalement sur StarCraft 2, donc compétition online, parfois offline, et là pour la première fois on s'est dit bah, pourquoi pas le faire à la maison. Alors c'est un projet qui date d'un certain moment. C'est vrai qu'avec Numericab, on se posait la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux un peu original. Et c'est vrai qu'il y a un concept allemand qui a beaucoup plu en Europe, qui date de peut-être il y a un an et demi, deux ans, qui s'appelle la Home Story Cup, où on voit les joueurs évidemment dans des compétitions de très haut niveau, mais à la maison, d'où le nom de Home Story, c'est-à-dire que c'est dans un appart. On les voit aussi entre les games, des fois les joueurs commentent, enfin vraiment le joueur n'est pas placé que en tant que joueur, mais aussi un peu en tant qu'animateur, donc ça permet de les voir sous un angle différent. Donc nous on s'est dit bah, pourquoi pas faire ça en France, parce que ça n'existait pas. Bienvenue dans la Numericab M House Cup, je suis ravi de vous accueillir dans la Gaming House Millennium, qu'on a décoré exprès. Pour l'occasion. Pour l'organisation pure et dure, ce qu'il fallait c'est déjà des joueurs assez connus. Donc sur les 8 joueurs, il y en a 4 qui sont invités. Après, les 4 autres, je voulais donner sa chance à tout le monde, puis ça permet de faire parler à l'événement. Donc il y a eu 3 qualifications. Et comme en parallèle de ça, j'organise le championnat francophone, j'ai trouvé bien que le vainqueur du championnat francophone, donc là, Fist, puisse participer à cette Numericab M House Cup. Au niveau des joueurs, ça me permet d'avoir d'un côté des joueurs connus, qui savent bien jouer et qui assurent une certaine réputation, et puis aussi des joueurs moins connus, mais qui peuvent prouver parce qu'ils ont réussi à battre de très bons joueurs pendant des qualifications. Diogo, est-ce que tu m'entends? Je descends. Avec plaisir, ici on va commencer par un rematch qu'on a eu lors de la toute première qualification de la Numericab Cup, qualification qui avait eu lieu à la Paris Games Week, à l'EWC, et Dimaga avait pris le dessus sur Fist sur le score de 2-1, si je ne m'abuse. Et donc voilà, il y a de la revanche dans l'air. T'avais un gros avantage parce que à niveau de la partie, toi t'as 7000, 6000 de gaz on va dire, et lui il a 500 000. 500 de minerais. 500. Et à ce moment-là, il faut switcher sur là où tu vois faire les upgrades, donc ok, il va rater son carrière. Voilà, le truc qui sert à rien. Ça va retirer quoi? Deux coups du correcteur? C'est pas comme s'il avait le correcteur. C'est pas comme ça, ça va quelque chose. C'est sûr qu'on aimerait que les joueurs soient de bonne humeur, mettent l'ambiance, que justement on n'est pas que dans un tournoi où on regarde que la game et la compétition. Ça, ça dépend d'eux. S'ils sont de bonne humeur, s'ils ont envie de délirer un peu, bah, c'est un gros bonus. So easy! Et là, nous avons Tomicus qui revient carrément dans la game. Tomicus avec son Minato, mine de rien, alors là, c'est super serré! Oh! Globalement, ça s'est très bien passé, les games se sont bien enchaînés. J'avais beaucoup de games le samedi et pas beaucoup le dimanche, mais de belles games parce que c'était les demi-finales, finales et match du troisième. Et il n'y a eu que des 3-2, donc beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense.
tous ces, à chaque fois joués sur un dernier coup, dont certaines games comme Stefano Di Maga ont été de pure merveille. Plutôt sur la B5, sauf que sur l'énorme fight, Stefano a beaucoup beaucoup moins d'unités, donc Di Maga risque de gagner le combat central. Stefano qui est obligé de fuir, mauvaise opération. Stefano qui a peut-être un peu trop split ses troupes. Mais maintenant, il va faire agir le multitask, la B4 qui va se faire saucer, la B3 aussi. Je suis Zerator, je m'appelle Adrien et je suis chef de projet chez Millennium. Mais pour ce week-end, j'étais à la réalisation, à la régie, au studio, pour gérer tout ce qui est visuel et sonore. Étonnamment, tout s'est bien passé pendant le week-end. Honnêtement, j'en revenais pas et j'en reviens toujours pas. Là, on vient de sortir il y a à peine une heure, même pas, du live et c'était nickel, quoi. On a fait des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Enfin, on a fait une vraie régie, on a fait un retour streaming, qui sont des choses qui paraissent basiques pour des télés, mais qui pour nous en web télévision sont tellement, tellement un plus. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'au moment où ça se finit, on a la pression qui retombe, mais après, voilà, quand on a plus de 9000 personnes qui sont là, rien que sur le français, en sachant qu'il y avait aussi un stream anglais, des polonais, des russes, voilà, je pense que tout le monde était content, donc ça booste un petit peu. Après, je pense que c'est demain qu'on commence un peu à relativiser, là on est encore dans l'événement. Hein. Côté dual à cette compétition. C'est pour ça qu'en un mot c'est difficile, parce qu'il y a la partie que j'ai surtout orga qui est la partie tournoi, mais il y a aussi la partie fun qu'on a voulu mettre avec des animations. Et justement, le succès aussi de cet événement, c'est la rencontre de deux univers qui sont pas forcément ensemble. Parce que je pense que les gens vont autant parler des parties que de parler de MC ou MKP qui dansent et tout. Donc c'est pour ça qu'en un mot c'est assez délicat. Mais en tout cas, pour ce que j'ai organisé, je dirais que le mot c'est précision. Parce que j'ai vraiment voulu que les games commencent à l'heure, que ça termine à l'heure, que tout le monde puisse voir de la meilleure qualité possible, que les joueurs soient dans un environnement parfait, donc voilà, précision.